zèle. Maintenant, il faut comprendre que Dieu n'aime pas les chrétiens qui sont froids. Par exemple, tu vas voir une femme, elle ne part pas à l'église. Pourquoi? Oh, pasteur, mon mari ne va pas partir à l'église, eh, pasteur. Moi, je n'ai pas avoir recours dans mon mariage, pasteur. La Bible a dit qu'il faut respecter son mari. Donc, si ton mari te dit de renier Jésus, tu vas le renier, quoi. Parce que tu n'as pas travaillé la voix pour mon mari. La chose la plus importante, c'est ton mariage. Hey, pasteur, la Bible a dit que la femme doit oublier son mari. Hein? Hey, pasteur, pasteur. La Bible dit que tu dois avoir du zèle. Laisse-moi te dire, un homme ne peut pas t'abandonner parce que tu as accepté Jésus-Christ. Un homme ne peut pas t'abandonner parce que tu as accepté Jésus-Christ. Je vais te dire pourquoi l'homme-là a les preuves avec toi. C'est pas que tu te comportais mal. Si après avoir accepté Jésus, tu te comportais bien, l'homme-là va te suivre à l'église. Mais ce qui se passe la plupart du temps, et comme je vous ai toujours dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous le placebo. Moi, je suis marié. Ma femme ne peut pas m'abandonner quand j'ai changé en acceptant Jésus. Malgré toutes les tentations, n'est-ce pas, l'esprit qui vit dans moi pouvait l'amener à comprendre que non, il y a un Dieu. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que je faisais là, je n'étais pas abusif. Je n'abusais pas, j'étais moins sainte. Elle pouvait parler comme je restais tranquille. Et c'est ça. Et je vous ai toujours dit que tu ne peux pas transformer ton mari en l'invitant à l'église. Ce qui peut transformer ton mari, c'est ton comportement. C'est le comportement que tu as. Ton mari n'a pas le problème avec ton église parce que tu vas à l'église. Ton mari a le problème avec ton comportement. Tu lui manques du respect. Quand il rentre, tu ne cherches même pas à savoir que ton mari est rentré, tu ne t'occupes même pas de lui, et tout ça, c'est ton comportement qui est le problème. C'est ça qui amène ton mari à douter du Dieu que tu sers. Mais si pendant que tu sers Jésus, tu t'occupes de ton mari, je peux te garantir que même s'il ne part pas à l'église, il sera la première personne à te déposer devant l'église et rentrer à la maison. C'est ton comportement. Parce que tu n'as pas le zèle. La Bible dit que nous allons partir dans